Voici comment paraître 30 ans plus jeune. Avec deux seuls ingrédients, vous allez être choqués. Coucou mes amours, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une recette au blanc d'œuf pour la jouvence éternelle. Mais pour une fois, je vous montrerai pas seulement comment fabriquer cette crème d'exception, mais aussi comment utiliser ces deux ingrédients pour rester en très belle forme, même après vos 80 ans. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous asseoir confortablement et à ne surtout rien raté jusqu'à la fin. Je vous assure, vous allez être surpris. Avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, pensez à la clochette de notification, likez et commentez. Pensez aussi à me dire comment est-ce qu'on appelle ceci dans votre pays, tout en mentionnant de là où vous me suivez, de là où vous m'accompagnez. Vous savez à quel point cela me fait plaisir. Son nom vous dit certainement quelque chose. Vous l'avez probablement déjà vu, déjà aperçu sur les étals des magasins d'alimentation sans y prêter grande attention. Mais c'était sans connaître ses vertus sur la santé. Dorénavant, croyez-moi, vous ne le regarderez plus de la même façon. En effet, en raison de ses exceptionnelles qualités nutritionnelles, ce fruit originaire d'Afrique qui se consomme comme un légume est inclus d'urgence dans votre alimentation, mais aussi dans votre routine de beauté. Rien de tel pour rester toujours jeune, éternellement beau, éternellement belle, sans la moindre ride, sans la moindre tache sur la peau, sans la moindre imperfection. Avant de vous montrer comment utiliser le gombo, également appelé okra, pour paraître 20 ans plus jeune, j'aimerais vous présenter quelques-unes de ses vertus pour la santé. Sachez que ceci aide à contrôler le diabète, son faible indice glycémique et son importante quantité de fibres solubles qui limitent l'absorption des glucides font du gombo un aliment de choix pour les personnes diabétiques. De plus, les recherches ont montré que ceci agit de la même manière que l'insuline en diminuant le niveau de sucre dans le sang. Et c'est bon pour les diabètes de type 1 et de type 2. Pour cela, il est conseillé de boire de l'eau de gombo plutôt que de consommer ceci cuit. Cette eau s'obtient après avoir laissé tremper des gousses de gombo quelques heures dedans et ceci doit être consommé de préférence le matin à jeun. En numéro 2, ceci aide à réduire le taux de mauvais cholestérol. Les fibres solubles contenues dans le gombo ont également un rôle dans la régulation du cholestérol car elles capture les lipoprotéines, LDL ou encore le mauvais cholestérol pour permettre leur élimination dans les selles. Il en résulte ainsi un effet protecteur contre l'apparition des maladies cardiovasculaires. Pour réguler efficacement votre mauvais cholestérol, buvez aussi de l'eau de gombo le matin à jeun. Il réduit les symptômes de l'asthme. Sachez que l'asthme est une pathologie associée à une augmentation du stress oxydatif dans les voies aériennes. Ce stress oxydatif résulte d'un excès de radicaux libres dans l'organisme que seuls les antioxydants peuvent neutraliser. Comme de nombreux fruits et légumes, le gombo est une importante source de vitamine C. Et par ailleurs, scientifiquement prouvé qu'une consommation régulière de fruits riches en vitamine C, à raison par exemple de 2 voire 3 fois par semaine, baisse de façon significative les sifflements respiratoires chez l'enfant. Donc il est préférable de boire de l'eau de gombo ou même de consommer du gombo cru ou cuit à la vapeur pour profiter de ses vertus antioxydantes. Ceci renforce le système immunitaire. Comme nous venons de le voir, les radicaux libres peuvent être impliqués dans l'apparition de certaines maladies dont l'asthme, mais également l'affaiblissement de votre système immunitaire. Grâce à son fort pouvoir antioxydant, le gombo permet de limiter l'action de radicaux libres. De plus, ceci contient de nombreux nutriments qui participent au bon fonctionnement du système immunitaire. Le manganèse, qui participe à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. Le magnésium, qui lui à son tour va réduire la fatigue, dont l'action est améliorée par la vitamine B6. Le fer, qui permet le transport de l'oxygène dans les cellules par le biais de l'hémoglobine. Le cuivre, qui protège les cellules contre le stress oxydatif. La vitamine C, qui stimule la création des globules blancs, indispensable pour lutter contre les infections. La vitamine B9 ou encore ce qu'on appelle folate, essentielle au renouvellement cellulaire, est très conseillée si vous voulez tomber enceinte. D'ailleurs, beaucoup de femmes confient avoir eu des jumeaux après avoir consommé ceci énormément, un court laps de temps avant de tomber enceinte. Donc, vous pouvez consommer le gombo cru, cuit à la vapeur,
pour renforcer vos défenses immunitaires. Ceci prévient les maladies rénales. Les chercheurs chinois ont constaté que le gombo a des effets bénéfiques pour traiter la néphropathie diabétique qui à terme pouvait mener aux insuffisances rénales. En effet, les personnes qui consomment le gombo sont moins à risque de développer des maladies des reins que celles qui n'en consomment pas. Donc voilà, buvez de l'eau de gombo pour garder les reins en bonne santé. Cependant, en raison de la présence d'une faible quantité d'oxalate dans le gombo, il est déconseillé d'en consommer en cas d'antécédents de calculs rénaux qui sont dus à la formation des cristaux d'oxalate de calcium ou même de polykystose rénale. Donc faites bien attention à tout cela. En cas de doute, bien sûr, parlez avec votre médecin traitant. Pour la recette anti-rides, oui, je sais que c'est ce que vous attendez. Mais avant d'en arriver jusque-là, partagez ceci, mes amours, pour toutes les qualités qu'on vient de citer plus haut. Pour que ça puisse aider les gens, partagez via vos réseaux sociaux favoris, WhatsApp, Snapchat, Instagram, partagez. Donc comme je disais pour la recette anti-rides, prenez 4 gombos frais, les petits gombos bien mous, les petits bouts là, tout mou. Écrasez-les totalement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, plus de grumeaux, rien, que ça reste vraiment la pâte bien gluante. Donc pour ça, vous pouvez écraser au mixeur, au pilon, au mortier, bref, ce que vous avez. Rajoutez un blanc d'œuf et une grande cuillère de gélatine à l'intérieur. Mélangez bien le tout et appliquez ce masque facial. Laissez le tout sécher et exfolier avant de rincer abondamment à l'eau tiède. Faites ceci 3 fois par semaine au début. Ceci va aider à rajeunir la peau, débarrasser des rides profondes, les peaux mortes, tout ce qui est trou noir. Et bien sûr, vous pouvez rajouter un tout petit peu de citron si jamais vous avez déjà des taches de vieillesse. Vous savez, ces points noirs de vieillesse, ces cicatrices de trous noirs ou même d'acné, tout ça. S'il y a beaucoup de défauts, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de citron dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ceci. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Bisous.